Bon, pas bah, bon bah, hey, ça s'annonce fun, hein. Ça s'annonce fun. Bonjour. Art to play une ouatée. Ah bah ça va, il y a pas trop de monde devant, c'est cool. Ouais, non mais ça va, il y a juste 1357 personnes. Voilà. Bon, comment on fait calcul? Non, laisse tomber. Ça va. On a avancé quand même. C'est clair. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Presque une heure, hein. Pas une heure. Allez, dans 10 minutes, il sera une heure. Aucune idée. C'est marrant. Il y a Alex aussi, j'ai envie de faire Alex. Oh, calor. Oh, c'est trop mignon. C'est pas moi. Il est quelle heure, Alex? Il est bien 11h30. Ah, oui. On arrive vers 9h. Bah, on se rapproche. Hein, on se rapproche, mais bon, difficilement. Lui fait de même pas. L'autofocus. C'est bon, on est dedans. On l'aura mérité. Ouais, mais c'est grand. Très grand. Bah, je peux plus qu'à retrouver les autres, enfin. Ouais, mais avec ce monde, je crois que ça va, c'est quasiment mission impossible. Ouais, ça me paraît un peu compromis. Bon, là, on va se promener, on va voir. Sur le live en lui-même, j'explique. Beaucoup utilisent OBS parce qu'il est gratuit, qui est très très bien. Moi, je veux bien à la base. On a raté. De quoi? On a raté la chenille. La chenille. Mais. Bon, les intérieurs de convention, c'est génial, et encore, on n'a absolument pas la place de tout vous montrer ici. Mais néanmoins, il s'agit d'aller prendre l'air, et on avait l'air de juste en face, donc je ne peux pas résister, j'ai envie de vous montrer 2-3 images, c'est quand même bien joli. Il est à peu près 15h, on n'a pas encore croisé Saint Job, ce qui est dommage en soi. Je sais pas, peut-être qu'il n'est même pas venu, ouais, mais en tout cas on n'est pas trop au courant. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, la définition de prosélytisme illustrée en images. Là, entre dans votre voiture. Ils sont en pause en fait. Ah, les Epic Pixel Battle Challenge. Je suis très fan des Voxmakers, il faut savoir, et en convention, ils invitent régulièrement des gens pour chanter face aux créateurs originaux les Epic Pixel Battle. C'est une anecdote dont je me souviendrai longtemps, mais malheureusement, j'ai pas réussi à récupérer le fichier vidéo qui le concerne. J'ai participé à ces Epic Pixel Battle Challenge, j'ai joué Jack Frost face à Sacha qui, elle, chantait le rôle d'Elsa.
Et ouais, j'ai pas la vidéo, mais d'un côté, vous ne ratez pas grand chose parce que l'audio saturait de ouf, hein. Donc il y avait pas grand chose à regarder de toute façon. Mais je tenais à le dire quand même parce que c'est pour moi un des moments forts de cette convention, du moins de mon point de vue. Enfin bref, pour moi, journée exceptionnelle en tout point de vue, et c'est pour ça que je tenais à vous le partager en vidéo. J'aurais bien aimé vous montrer d'autres choses, mais malheureusement, sur le moment, on était tellement embarqué dans l'ambiance de la convention que je n'ai juste pas pensé à filmer vraiment. C'est dire, hein, j'ai exploité quasiment toutes les rushs que j'avais à disposition, là j'ai plus rien à vous montrer. Pourtant, on est resté 5 heures sur le salon et il y avait toujours des choses à voir. J'ai même croisé le modérateur d'un site sur lequel je suis également modérateur, bricabrac.com. Vous pouvez chercher mon profil sur ce site, c'est CLB, tout simplement. Même qu'en ce moment, on est grave à la bourse sur les Brickstars et qu'il faut absolument que je gère ça plutôt que faire le montage de cette vidéo. Enfin bref. Donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Bon, bah voilà. Fin de convention. Ah, mais c'était franchement cool. C'est merveilleux. Bonjour Black Hole. Ouais, non, t'inquiète pas, Félix, je te filmerai pas une fois de plus. Ça va alors, c'est cool. Les Boxmakers, waouh. Mais il y a tellement de bons souvenirs à tirer cette convention, j'ai pas filmé énormément de trucs, malheureusement. Moi, j'ai filmé plein de trucs, je crois que j'ai passé. Bon, la qualité de sonore est pas terrible. J'ai chanté un EP live, la qualité sonore, bah ça sature énormément, je sais pas si je pourrais faire quelque chose de ça. Vous aurez au moins l'image avec des extraits d'un coup, mais j'aimerais bien vous faire profiter de mon flow, mais sans les horribles grésillements en fait. C'est compliqué, mais bref. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB, à la prochaine.